Oui, j'ai disais donc, mon Vlacero me connaît tellement bien. Effectivement, j'étais parti remplir ma gourde pendant que vous étiez en train d'arriver tous. Salut Captain Kama. Pas de son, mais ça y est, j'ai réglé le truc, pardon. Oui, je suis un peu, c'est un peu à l'arrache là. C'est les level 1, voilà. Je prépare les level 1 et plutôt que faire ça tout seul, je me dis tiens, les petits amis vont me tenir compagnie, c'est cool. Et du coup, j'aime bien. C'est bien. Coucou Alex Kawaii. Hôtel. Alex, c'est Shyvana, ta petite icône? On dirait Shyvana. Tu pensais pas à elle, mais elle ressemble beaucoup. On lui fait un petit coucou au passage à notre Shyvana. J'espère qu'elle pourra revenir bientôt, parce qu'elle nous manque. Salut les amis. Alors, non, c'est pas. Mais elle ressemble, hein? Elle ressemble. Je sais pas si tu l'as sorti, mais c'est bien. Bonjour, New Super Gamer qui fait un petit coucou. J'adore le petit. J'adore le petit gif qui va avec. C'est parfait. Un coucou vite fait de l'impératrice de la Chouquette. Coucou Eugénie, merci de passer, c'est gentil. Ah, je viens, bah regarde, tu vois, j'ai ma petite tasse de café de Harvard. Je fais mes études à Harvard, c'est ma tasse de café préférée. C'est des tasses américaines, je sais pas si vous voyez, elles sont assez épais en fait. J'aime bien l'épaisseur de ce truc. Ça fait genre 15 ans que je l'ai. Le jour où je vais la casser, je vais être malheureux parce que j'ai essayé de trouver d'autres tasses dans le même genre et c'est jamais aussi épais. Il n'y a pas jamais un petit renflement agréable comme ça quand on boit son petit café. Voilà, ça marche pour Hogwarts, mais oui, bonne idée, Jade. C'est ça. J'ai fait mes études chez Harry Potter. Ah oui, c'est parfait. Donc, ce matin, on a fait ensemble contrat. Une fois que vous avez eu le dos tourné, j'ai terminé ce niveau. J'ai débloqué un nouveau personnage jouable, donc on le prendra avec Kayane, je pense. Une deuxième fille, ça c'est plutôt cool. Et puis un nouveau niveau. Donc on verra ça demain. Je vous laisse la petite surprise pour demain. Et là, je vais regarder Penis Break. Ouais, je vais jamais y arriver avec le nom. C'est pas possible. C'est impossible de ne pas prononcer pénis, quoi. Comment faire? Pénis. Faut vraiment que je me mette dans la tête que c'est un Z, quoi. Un petit jeu bien sympa, d'ailleurs. Regardez-moi ça. Je vais le mettre comme ça. Et la musique est géniale en plus. Il m'a tapé dans l'œil ce petit jeu. Alors, un peu fort, c'est quand même très coloré et très flashy. Un petit côté 90s pas désagréable. Voilà le roi. Donc Penny est une jeune artiste du yo-yo qui rêvait de rencontrer l'empereur pour lui montrer ses compétences. Et lui a montré, et ça a mal tourné, mais elle lui a déchiré son pantalon avec le yo-yo. S'est retrouvé en caleçon à fleurs, à cœur devant tout le monde, on vient de le voir. Et du coup, il a mis sa tête à prix, donc il est obligé de s'enfuir. Voilà, c'est le scénario. Et pourquoi ça peut être intéressant? Même si, je sais pas, il y a un petit côté un peu cheap, mais j'arrive pas à définir. Et pourquoi finalement je suis pas passé à côté? C'est parce que c'est fait par les gens qui avaient fait Sonic Mania et qui avaient fait les meilleurs Sonic depuis le premier Sonic. C'est-à-dire que la licence Sonic est en train de se perdre. Il y a des fans qui ont repris Sonic et qui en ont fait enfin quelque chose de bien à nouveau. Et du coup, voilà, c'était très réussi. Et donc là, ils se mettaient à 3D. Alors, est-ce qu'ils vont faire mieux que Mario, par exemple? Déjà, j'aime bien la musique. Voilà l'empereur. Et voilà Pig. Allez, j'y vais. Alors, j'ai déjà un peu avancé, je vais continuer. Vous verrez pas le début. Je sais pas encore ce que je montrerai dans Level 1. Soit le début, soit un peu plus tard. On va voir. Et là, on trouve un niveau qui nous plaît. Enfin, ça, je vais continuer mon petit mode histoire. Voilà. Et j'ai fait Vanillebourg et je vais passer à Vagmarais. Et on va refaire le deuxième épisode. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Moins de blabla, plus de coups de crayon. C'est ça. Ah, Alex, on se voit ce week-end alors. Tu seras à Paris Manga, c'est cool. C'est cool. Alors regardez-moi ça, voilà, avec le stick droit, je tourne sur moi-même pour mettre des petits coups de yo-yo. Je vais me servir pour me battre. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est que il y a plein d'utilisations de yo-yo. Vous connaissez Sheila, la chanteuse? Ah, vous n'êtes pas du coin, oubliez ça. Tous les petits PNJ ont quelque chose à dire, c'est assez rigolo. Et des fois, ils ont une petite mission à vous confier. Là on voit que c'est les gars professionnels, c'est qu'on peut voilà, transformer le yo-yo en boule. Hop, voilà. Pour se déplacer plus vite. Donc c'est plutôt cool. Et je peux l'utiliser pour comme un grappin.
Voilà, regardez ça. Comme. Je sais pas comment ça s'appelle, ce que je vois. On va dire un grappin. Je peux même le suspendre un petit temps dans les airs. Vous voyez, pour me balancer. Alors qu'il est accroché à rien du tout. C'est pas mal comme, comme idée. Et là, je peux attraper ce truc-là. Voilà. Et je peux viser là-bas. Je vais y arriver. Hop. Et voilà le travail. Ça me fait penser aussi à Astrobot. Excellent jeu sur. Si vous avez une PlayStation 5, il faut absolument le y jouer. Parce que c'est vraiment. Comment dire. Ça utilise très bien la manette en fait. Les petites capacités de la manette PlayStation. Donc franchement, ce serait dommage de s'en priver. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Je pense que j'ai raté mon saut, il faut que je retourne par là-bas. Attendez, parce que je me fais agresser. Je me fais agresser de toutes parts. Alors, voilà, regardez, je tourne les codes sur moi-même. Je vais me débarrasser de ces pingouins. Il est quand même, ça commence à me courir la vie. Voilà, viens là toi. Voilà. Alors j'ai pas à gérer la caméra, je gère tout seul. Parce que des fois on sait pas trop. On sait pas trop où elle veut revenir. Allez, revoilà les pingouins. Voilà. Allez, un petit saut là-dedans. Oh. Voilà. Et il y a des bonnes musiques comme dans Sonic Mania. Je lui trouve plein de qualités, un peu moche, mais des qualités. Ça vaut pas, alors je dis Astrobot. Je trouve que ça vaut pas Astrobot. Attendez, il y a un checkpoint là. Parce qu'Astrobot est quand même plus subtil. Mais ça fonctionne plutôt bien quand même. Le Tourbigofret. Hein, pour le nom, on dirait un nom de Pokémon. donc voilà, je vais prendre ce gâteau et je vais me mettre sur cette vis. Je vais tourner autour de moi-même et regardez, ça fait une sorte d'hélicoptère. Hop là, je peux m'emmener un peu partout. Et c'est là qu'on voit que finalement, ça fait un peu couloir, mais pas tant que ça. Parce qu'il y a quand même plein de possibilités. Voilà. Cette petite musique d'Irette, j'aime bien, on dirait. Plein de musique de film de Pierre Richard. Alors le distrait. C'est pas mal la musique. Oh, laissez-moi les pingouins. Il s'énerve un peu. Ah, c'est vraiment prêt pour les speedrunners et compagnie, parce qu'il y a vraiment... Oh, oh merde. Plein de trucs à faire, le temps, vous êtes chronométré sur chaque niveau. Il y a des tas de petites missions annexes à faire. Ah mais qu'il est con. Oh les remonte. Ah mais... Quel idiot. Je voulais juste attraper ces trucs en fait. Mais chaque fois je me fais avoir, qu'est-ce qui se passe? Ah c'est parce que je m'agrippe au truc au lieu de les ramasser simplement. J'ai entendu dire que Sheila, oui, il me parle de Sheila, elle avait auditionné pour le gala. Non, je ne sais pas. Si je la vois, je lui dirais. Voilà, je vais prendre ce petit bonbon. Ça me rappelle un peu, comment ça s'appelait, Cool Spot, non? C'est mon saut, alors qu'il y a un espèce de dash, je suis idiot. Il fait le dash. Pas comme ça. Un peu musique d'ascenseur aussi, je vous l'accorde, mais... Hop. J'essaie d'être concentré parce que moi les jeux de plateforme en 2D c'est compliqué pour moi, vous savez bien. Message de Killer Rome. Content de voir un test stream, d'habitude je travaille mais avec les vacances. Ah c'est parfait. Bah t'es en vacances, t'es dans quelle zone toi? C'est en
C'est encore les vacances qui est encore en vacances? Les chômeurs, mais... Hop, 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 hop. Ouf, je me suis bien rattrapé. Voilà. Seulement les jeux de plateforme en 2D qui sont compliqués. Oh, c'est 2D. Non, il n'y a pas que 2D en fait. J'ai un problème avec les jeux de plateforme. Ah, le gâteau tourbigaufrette. Donc, pour faire marcher un tourbigaufrette, je tourne sur moi-même avec le stick droit et hop là, voilà, ça va. Hop, 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 hop. On ne peut pas me faire capturer par ce truc. Oh, puis là, ils en mettent derrière, ils sont malins. On va venir. Wouh! Oh, j'adore le public. Oh, c'est ce que les gens vont dire. Tu es à la région de Limoges, mais c'est fini les vacances scolaires. Ah, ok, c'est juste toi, c'était vacances. Oh, bah, cool, c'est bien. Donc, tu vois, je travaille. Tu me vois, je suis au travail. Là. Ah, aussi. Aussi surprenant que ça puisse paraître, je comprends. C'est très bizarre. Mais c'est vrai. C'est vrai. Hop, esquive. Ou pas. C'est bon, je vais arriver là. Ah, peut-être passer dans ce truc là. Ah non. Accélère un peu, ouais, c'est vraiment Sonic, il y a même le bruit des anneaux quand on y pense. Oh mince! Oh, j'étais presque. J'ose plus. J'ose plus avancer, voilà. Bah, il est où ton pingouin? Ah non, pas hop. Bah alors pourquoi? Est-ce que je peux remettre en plein écran? Ah, tu veux comme ça? Ça me va mieux? Ou plein écran, genre full screen. Ah oui, parce que vous voyez pas les petits... Vous voyez pas tous les... toutes les subtilités, c'est ça? Ah mince, j'étais pris dans ce truc. Oh, les pingouins m'ont capturé. C'est pas bon. C'était bien avec la cam. Je crois que tu voulais voir les... Quand il y a ma cam dessus, tu ne vois plus ce qu'il y a en bas à droite. Il y a ma grosse tête en bas à droite. Alors que normalement... Je vais y arriver. Voilà, là tu vois, on voit tout. Là. C'est quand même mieux. Mais bon. Ça peut faire plaisir, t'avais deviné que j'allais chercher ma gueule. Alors, comment faire? Je sais plus. Il y a un truc pour... Oh, trop de pingouins. Oh, raté. Alors, du coup, je perds l'élan. Hop, je saute, je ressaute. Je me suspends. Oh, allez, j'y étais, là. Est-ce qu'il y a un autre passage, peut-être? Salut, Jim Berzek. Wesh, Marcus, comment ça va, le son? C'est quoi cette... C'est quoi cette expression de gitan? Ça existe, c'est vrai? Je crois que j'ai déjà entendu, mais... Eh ben, je saigne beaucoup, regarde. Mon pauvre Penny, et mon pape pénis, est bien embarrassé, parce que... On n'arrive pas à s'allonger suffisamment pour arriver à l'autre bout comme je le souhaiterais. C'est de vrai. Enlarge my Penny. Hop là, hop là, là, j'ai... un bon élan. Là aussi. Là, je perds pas l'élan. Hop, je saute, je ressaute. Et je me... Mais merde, il manque un millimètre. Allons voir. Est-ce que je peux pas... Peut-être passer par là. C'est une autre méthode. Ah oui, visiblement, il faut pas s'en bien. Un petit morceau d'accordéon dans la musique. J'ai glissé, chef! Ah, c'est ça, exactement. Allez. Hop! Oh non, c'était beau ce que j'avais fait. Sauf que comme je maîtrise pas du tout la 3D,
tuer les pingouins. Voilà. On sent bien qu'on peut monter là-haut, mais je sais pas comment. Hop. Ah là, il y avait un truc mystérieux, ouais. J'ai déterré ce truc dans le sable tout à l'heure, maintenant ma pelle est abîmée. Oh mon pauvre petit là. Oh, est-ce que ce serait une bonne idée de descendre là? Allez, on va essayer. Oh mais pourquoi? Ah, est-ce que je peux. Est-ce que je peux. Je peux pas le faire deux fois, je crois pas. Ça là. Ça, il faudrait que je puisse le faire deux fois. Hop! Ah, je peux pas le faire deux fois. Ah, ah, ah. Alors ça, typiquement, ça me ferait bien chier, ça m'arrivait dans un level 1. Hop! Hop! Ouf, c'est bon, ça passait. Pourquoi ça passait pas avant? Non, je vais pas mourir là. Oh, il va me remettre là. Ah, le salaud! Alors, attends, parce qu'il y a un truc pour... Voilà. Partir avec un peu d'élan, mais... Ça m'énerve ça. Yannick et Yohan l'améliorer. Oh, oui, c'est vrai que je rigolais bien les gars. S'occupait pas beaucoup des jeux. mais on s'amusait bien. Allez hop là. Hop. Putain. Et si je roulais au lieu, peut-être au lieu de sauter, si je roulais. Je crois que. Je crois qu'on peut rouler sur l'eau. Bon, on va voir. C'est pas de chance. C'est pas de chance. Je suis pas doué surtout. Alors, si on roulait. Ah bah voilà pourquoi je me prenais la tête. Ah, depuis tout à l'heure. Je me prends la tête pour un truc qui est pas compliqué en fait. Ah voilà, c'est ça. Quand on a plus de... On fait des ricochets en fait. Ok, mais ça y est, j'ai trouvé. Faut pas que j'interrompe le lamp. Ce qui est sympa, c'est que c'est pas juste une émission de test de jeu, c'est aussi une émission de divertissement. Merci Massilage, c'est gentil. C'est sûr, faut pas venir là pour voir de la performance. Faut pas voir du... Comment on appelle ça? De l'e-sport ou... allez, oh, allez. Voilà, allez. Oh, on dirait un vieux en fauteuil roulant sur la fin. Allez, voilà. Très bien. Tant que je reprends l'élan, tout va bien. Et là, j'ai raté mon élan. Côté. Ouais, c'est ça dans un level 1, oui, ça peut arriver. Ils ont trouvé bloqué pour une connerie comme ça. Juste, j'ai oublié qu'on pouvait aller aussi. Qu'avec de la vitesse, on pouvait rouler sur l'eau. Quoi. Et ce que j'aime bien, ils ont retrouvé un peu le côté vitesse de Sonic, mais en 3D. Donc ça, ça marche plutôt bien. Et voilà le podium final. Très bien. Et surtout, voilà pourquoi je voulais jouer avec vous. Coucou Elena. Pourquoi je voulais jouer avec vous, c'était... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah mince, je pouvais faire une petite danse. Voilà la classe. Et ben parce que je voulais avoir votre avis. Je sais que j'ai des goûts de chiottes des fois. Et au début, j'étais un peu... Ouais, ça très trop coloré, trop acidulé, machin. Et puis, je m'aperçois que j'y ai pris goût grâce à ce yo-yo qui fait plein de trucs différents.
Et finalement, je trouve pas mal. C'est pas du triple A, mais c'est une bonne petite tentative. Ah bah voilà, Sheila, depuis tout à l'heure. Oh, elle a grossi, donc. On a connu plus en forme. Ça fera un level 1 tout à fait. Voilà, est-ce que ça fait un bon level 1 en direct? Parce qu'objectivement, c'est pas un grand jeu. Et dans les level 1 en direct, j'essaie d'avoir plutôt les gros jeux du moment. Sauf que souvent, ils sont 18+. Donc, Rise of the Ronin, par exemple, je le tournerai demain matin, mais il sera diffusé que après l'embargo, c'est-à-dire à partir de vendredi. Je crois que l'embargo, c'est jeudi. Donc, ouais, non, bah, jeudi 22h, normalement, ça passe. Donc voilà. Qu'en pensez-vous? Il a l'air d'un, ce jeu, dit Penny Elfman. Il manque un mot dans ta phrase, Penny. Mais Penny, mais bon sang, mais c'est toi? Incroyable. Il est fait pour toi. C'est peut-être même toi, cette charmante joueuse de l'île. Après, alors, tout le monde nous parle de Sheila depuis tout à l'heure. Ah, il va peut-être y avoir un niveau sous-marin, ça m'étonnera pas du tout. J'avoue que j'ai pas vraiment surveillé le... Je trouve par exemple les cinématiques sont un peu cheap, quoi. Ça sent la plaque qui bouge. Alors, ce serait un boss de fin de niveau. Et voilà, j'ai trop énervé. Ah bah j'ai pas le choix, c'est par là. Allez, c'est parti. Oh mec, il est bête. Faut que je reste sur mes trucs là. Voilà. J'ai l'impression qu'il faut sauter dans les anneaux, mais en réalité non. Du coup, il est lent. Oh. Ah mais là, plus gros yo-yo que le mien. C'est le concours, c'est lui qui a le plus gros Penny. Ah là, tiens, je vais te dévisser, regarde. J'attendais pas à ça. Ah, j'ai fait apparaître. Hein. Et oui, pourquoi j'ai bien aimé aussi, c'est parce que les musiques m'ont un peu rappelé Space Channel 5 aussi. C'est coloré, dynamique, ça changera un peu. Ah oui, c'était un rayon laser, ce truc qui clignotait. Ok. Un du spectacle, c'est dommage. C'est dommage. Allez, j'y retourne. Ouais, j'ai raté. Ah, demi-tour. Pourquoi? Pourquoi il a sauté de son truc? L'important, c'est pas la taille. C'est bien de savoir se servir de son yo-yo. Exactement, Mathias. Je vais te dévisser. Sympa l'expression. Ah, oui, note, Elena. On ne l'a jamais dit. Oh là là, j'ai perdu Bélan. Ah non, mais comment ça se fait? C'est pas grave, allez, hop. Pourquoi je peux pas monter? Oh la vache! Elle m'a démonté. Je l'ai dévissé, mais elle m'a démonté. Salut Monkey. Monkey d'Anthony, il va être content, Anthony. Tentirion des curions, garde à moi. Arrêtez-le, c'est un voyou qui veut m'assassiner. Arrêtez-le, oui, arrêtez-le. Au cachot. Allez, j'y retourne. Ah, il y a un truc qui m'étonne. Allez, essayez comme ça. Hop. Essayez de sauter et de remettre voilà, le truc juste après. Et là, je suis... Non, c'est bizarre cette façon de gérer le... Et puis j'arrive quand même là, c'est bizarre aussi ça. Voilà. Alors, allons-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va me balancer un truc. Voilà. Allez, je dévisse. Hop, je fais apparaître. Elle est contente. Et elle s'en va. Et maintenant, j'y retourne. Oh là 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 là. Mais je suis bête. Ça fait deux fois que je le fais. Bon, ce truc-là. Hop, roulette. Et là, j'évite. Bah, qu'est-ce que j'étais censé faire?
Je comprends pas, mais je vais trouver. Salut Marcus, tu joues jamais à des meuporgs? Ça a pu m'arriver dans mon jeune temps, mais j'essaie d'avoir une vie quand même. Et puis ça fait pas forcément des bons level 1, quoi, tu vois. C'est-à-dire que il faut vraiment du temps pour apprécier, etc. Donc déjà, donc moi j'y joue suffisamment longtemps pour que ce soit intéressant à regarder. Et ensuite, un level 1 en 20 minutes, qu'est-ce que tu vas montrer de World of Warcraft en 20 minutes, tu vois, ça suffit pas. On va faire des streams. Mais du coup, en stream, je pourrais. C'est vrai, oui, on va. Quel boulet, mais c'est pas possible. J'essaie de comprendre le fonctionnement. Parce que là, je suis passé à côté. Et là, j'ai pas relancé ma roue sous les pieds. La vache. Est-ce que tu ne peux pas sauter par-dessus ton yo-yo? Non, quand je saute. Regarde. Quand je saute, il remet pas le yo-yo en dessous. Tu vois? Or, pour sauter dans ces trucs, il faut quand même un peu de hauteur, quoi. Donc là, je saute et en l'air, j'active le yo-yo. Voilà. Hop, j'active. Si, c'est ça, mais c'est un petit coup à prendre. Et là, j'ai oublié de l'activer, tu vois. Enfin, je sais pas où j'ai oublié, mais il y a plus des trop tard. Oh, il y a tellement à montrer, bah oui. C'est un problème là qui perd. Wow. J'ai pas essayé de lui. Ah là, je l'ai assommé. Ah, faut que je dévisse. Faut que je visse quand même. C'est sûr que ça a servi à quelque chose de l'assommer vraiment. Parce que là, je me fais virer quoi que je fasse. Frappe son yo quand il est coincé au sol. Alors attends, pas de bêtises. J'y vais. Je saute. Et au sommet du saut. Je recommence. Voilà. Là, je vais balancer sur le museau. Très bien. Je crois que je suis pas censé monter jusque là. Hop, et là je visse. Non, mais bizarre, il met ça, mais j'ai pas le droit de toucher en fait. Pour éviter d'attendre, tu reviens au créneau et tu pourras patienter devant quelques jeux. Ah oui, d'accord, pardon. Je crois que tu me donnais un conseil, moi aussi. Allez, c'est parti. C'est loin. Le technique, hein, par moment. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'étais dans l'eau? Allez, tiens, t'es yo-yo, toi. Je vais tourner ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais. Ah oui, ça sert à monter là. Ok, et là, je vais visser celui-là. Si j'y arrive. Ouf. Voilà. Vite, 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 on visse.
Oh, j'aime pas cette phase. Allez. C'est bon. Voilà. Hop. Hop. Et là, j'arrive au sommet de mon art. Elle est tout petit, le perso, je vois rien. Allez, allez, on visse, on visse, on visse, on visse, on visse. Oh, wow. Ouh, après avoir coincé son yo-yo au sol et sonné, peut-être tu peux la frapper pendant ce cours-là de temps. J'ai l'impression que non, c'était juste... voilà. Et en plus, tu es chronométré, bah ouais, merci. Alors, Sheila, fais-moi la maline, hein, l'école est finie, là. J'adore le dentier. C'est un yo-yo dentier, en fait, il fait grappin. Elle fait quoi, une... Ah, une... En fait, les artistes sont des artistes de yo-yo dans ce monde. Ils font pas, ils font pas de... du théâtre, je sais pas quoi, ils font du yo-yo. Ah, nous allons aller à Sarazap. Un sol sablonneux, parfait. Oui, ça va moins bien rouler quand même. Ça va rouler beaucoup moins bien. Eh ben, allons voir. Est-ce que ça ferait un bon level 1 ? Sarazap. Ah, on me fait signe que c'est par là. Attention, vous marchez, le sable est profond. Ouh, ça m'a l'air bien dangereux. La centrale électrique fournit le monde entier. Bonne friandise. Cet interrupteur, il sert forcément quelque chose, non? J'ai un gros problème avec les interrupteurs ces derniers temps. Vous l'avez vu dans le Dark Forces. N'arrivez pas à appuyer sur l'interrupteur de l'ascenseur. Hop! Non, ça se trouve, il sert à rien, ces interrupteurs. Ouf. Hop. Le petit checkpoint qui va bien. Ah, Tiro, je n'ai pas eu ça. Ces taureaux savent charger, mais si Yo-Yo leur met un coup, bien senti, ils se roulent en balle de golf. Visez le trou en un. Comment on va faire pour faire... cette émission. Oh, que Pierre Boulet fasse des vannes merveilleuses. En même temps, ça va être ça le... ça va être ça le défi. Et voilà. Le taureau est en boule. Hey, je l'ai mis dans le trou. Parfait, c'est parfait. En fait, plus un jeu est pour les enfants, plus il y a d'occasions de dire des saloperies. C'est vraiment moche. Ah, attendez, j'avais envie d'aller voir là parce que je sentais qu'il y avait un truc là. Alors j'ai raté. Mais... ah, je peux y aller comme ça, regardez. Hop là. Magnifique. Hop. Attention, des pingouins. Alors, oh, faut pas que je me laisse capturer, donc faut que je saute. Voilà, pour m'en débarrasser. Très bien. Ah, encore un autre taureau. Où est-ce qu'il est parti?
Voilà. Alors, où est le trou? C'est un mini-golf, en fait. On va faire des... Hop, hop, hop! Oh, les sables mouvants! Oh, je m'enfonce, mais oui, bien sûr. C'est des sables bleus, mais c'est des sables mouvants quand même. Est-ce que je peux la gripper pour l'emmener où je veux? On ne prend pas. Je peux peut-être le pousser, tout simplement. Il y a trois pauvres applaudissements. Arrêtez le clapement, merde. Hop. Ah, ça y est, les pingouins m'agressent. Voilà, alors où était le trou? Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous dépêchez de me rejoindre pour voir un super coucher de soleil. Alors ça, à mon avis, c'est un... C'est un truc en plus, genre c'est une course contre la montre. Oh, vache. J'ai tout raté. Oh, mince. Fin du spectacle, c'est dommage. J'ai pensé à site comme les filles d'à côté qui étaient pleines de sous-entendus. Les filles d'à côté étaient pleines de sous-entendus. C'est dégueulasse. Alors, le taureau par les cornes. Voilà. C'est ça, ils ont fait un petit parcours de mini-golf, c'est rigolo, c'est pas mal ça. Contre. Ah voilà, mais non. Ah c'est dommage. En plus, de toute façon, le trou était bien, bien trop loin. J'ai l'impression qu'il y a trop de possibilités. Allez hop! Je vais faire le par en 8. Voilà! Les pauvres applaudissements! Ouais, donc ce qu'on a vu tout à l'heure était bien. Une course contre la montre. Ah, attendez, parce qu'il faut pas forcément aller là où. On a envie que j'y aille. Je me comprends. Je travaille pour Monk. Pour l'ancien. Ok, très bien. Ça doit faire quelque chose, non? C'est juste un décor. C'est pas le genre à faire un truc juste un décor. C'est le genre à faire des tas de trucs un peu bizarres. On ait la curiosité d'aller voir ce qui se passe. Ah oui, regardez, on n'a pas vu encore Tyrolien, mon yo-yo. Il est pas mal ce niveau, je pense ça va être sympa à montrer. Ça montrera la richesse du truc et le fait qu'il y ait plein de petites choses un peu différentes. J'irai bien moi-même, mais je ne veux pas de sable dans mes bottes. Est-ce que c'est des médicaments? Ah, mon ami a un petit peu soif, pouvez-vous lui apporter cette eau? Ah, ben oui, bien sûr. Il est où ton ami? Oh! 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 Ah, ah! Bon, j'ai raté. Ah, encore un tour. Même deux.
La musique fait un peu espagnol, c'est mignon. Hein. Faire griller les poils des pattes. Alors par exemple là j'ai échoué à amener de l'eau à son ami. Je suis tellement mauvais. Tellement mauvais. Ah, la beauté la 3D. C'est pareil pour moi. Je suis très serviable. Oui mais. Sauf que. Rendre service. Voilà. Un petit boulon. Vous voyez qu'il y a des petits boulons planqués un peu partout. Oh ah, le bleu marine, c'est pas terrible comme... Je peux peut-être rouler dessus. Tu n'es pas mauvais, tu es juste moins bon. Exactement. Moins bon comme un cochon. Alors attends, un truc que je voulais voir, c'est est-ce que... Non, on n'a pas moyen. Le sable... Le sable mouvement brun là. Non, ok, faut pas jouer. Bleu clair, ça va, bleu foncé, ça va. Je passe avant d'aller chercher mon fils. Et moi aussi. on a la même vie qu'Atari. Je dirais tout à l'heure, mais là je vais chercher à 18h, donc on a encore un petit peu de temps, même si j'ai d'autres choses à faire encore. Voilà. Ah bah voilà, je l'avais déjà, ça sert à rien. Donc, il faudrait que j'aille là-bas, a priori. Donc, j'ai dû rater quelque chose par ici. Il permet de monter. Alors, si c'est pas par là, par où c'est? Je dis tout le monde, je vous souhaite un bon mercredi. Merci Katari, c'est gentil, bisous au petit à l'école. Ça paraît loin quand même. Ah, mais il y a des trucs en bas. Voilà. Si le sable continue de remplir mes bottes, je vais vraiment craquer. Prier. Pas facile de travailler avec les électrons, ils sont très négatifs. Oh, 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 oh. Humour, électrons négatifs, protons positifs. Hop, 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 hop. C'est moi la paix, les pingouins. Voilà. Faut pas qu'il soit plus de 10 sur moi. Ah. Wow, qu'est-ce que j'ai fait? Ils vont m'avoir. Ils vont faire tomber le sable mouvant, c'est con. Con de pingouin, barrez-vous. Voilà, ça va mieux. Pour l'instant. Oh non, j'avais. Je l'avais ma tyrolienne, voilà. J'aime bien la petite musique, fait un peu orientale, mais pas trop. J'ai raté. Ah, oh, j'étais presque. Oh non, je vais pas sortir. Je vais. Bon, pas grave. C'est pas grave. Ah bah elle est contente. Alors bas. On te sert quoi? Il y a un genre un finish him quoi. J'ai pas vu si c'était le style droit ou le style gauche.
Ouais, j'ai pas trouvé tout, les tartines, les boulons. Bonne paye, 100 d'artistes. Pas bien. Et bah c'était pas mal, hein, la 3-1. Je note dans ma tête 3-1. On va peut-être enchaîner avec plusieurs environnements histoire de montrer. Après c'est toujours un peu coloré pareil quoi. Ah les tapis roulants. Ça n'a jamais été mon fort. Oh beaucoup trop d'électricité en l'air par ici. Ok. Je pense que ça peut être sympa pour les enfants. Une bonne petite alternative à Mario si on n'a pas de. Si on n'a pas de Switch. Ah ça y est, voilà les pingouins. Mais oh dommage, y a un truc là. Oh je l'avais presque. Ça sert à rien ce que je fais, mais j'ai envie de le faire. Alors attends, comment ça se règle ça? Qu'est-ce que je peux... Voilà. Maintenant en l'air. Hey, le stagiaire. Va m'apporter cette pile à mon collègue. Elle peut rien faire sur cette pile. Ok, je prends. Je sais pas où elle est la collègue. Ah puis j'ai un temps vraiment très limité. Elle doit vraiment pas être loin, elle doit être juste pour moi. Ah c'était trop tard, j'avais qu'une seule chance de le faire, ok bon. Je saurais jamais où était sa collègue. Voilà pour le taureau. Pour le moment je trouve moins intéressant ce niveau. Ouf, qu'est-ce que j'ai fait. Allez hop, tyrolienne. Salut les Gaspard et les Gasparettes. Sympa comme surnom. Mes petits amis. Coin, 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 coin. Qu'est-ce que tu veux? On aimerait tourner quelques scènes d'action dans cette vidéo. Montrez-nous ce que vous savez faire. Ah oui! Et n'oubliez pas de sourire. Ah oui, parce que du coup, je peux faire des, voilà, des petites figures en l'air. Voilà. Genre fait comme du skate. Ah les pingouins. Hop. C'est bon, j'ai réussi à m'en débarrasser. Oh non, pas tant que ça. Oh, j'ai attrapé cette tyrolienne. Je m'y attendais pas tellement en fait. Quoi? Un peu confus tout ça. Confus mais sympathique. Ah les monte. Oh trop de pingouins. Il faut que je m'en débarrasse. C'est le bordel. Ah oui, capture. Le yo-yo ne se perd jamais. Oui, c'est une sorte de GPS. Sympa comme jeu, j'adore la musique, tout à fait. Oh, c'est dû à
à la Pop and Geek. Oui, moi aussi, je trouve que c'est très... C'est très bien années 90, ouais. Mais moi, ça me va, donc je vais pas me plaindre. Là, il y a des taureaux, mais il n'y a pas de trou de golf. C'est moins rigolo que... Oh, vite! C'est moins rigolo que de flotter. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un café? Prenez-moi un quadruple express. Ok. Oh, attention, il y a un roi des pingouins là-bas. C'est pas un roi des pingouins, mais c'est un endroit où les pingouins spawnent. Oh, oh là là! Il se rapproche, il se rapproche. Oh, je vais se aller. Oh, pas par là en tout cas. Ah, 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 je suis débordé, c'est pire que les zombies, les pingouins. Ah, oh, c'est bon, j'ai réussi. Par assez de quelques-uns. Oh la vache, un jeu lutte, un jeu lutte. C'est très physique ce jeu finalement. Oh là là, ils sont trop nombreux, beaucoup trop nombreux. Oh la vache! Après, je suis censé être vaguement en mode infiltration, c'est-à-dire pas déclencher l'alerte chez les pingouins. Allez! Voilà! Non, pas par là! C'est tout ça pour aller en acquérir à l'avant de mon truc. Tout ça pour aller me foutre dans les sables mouvants au final, ce serait quand même un peu dommage. Mais ça n'en finit pas! Oh, il en sort de partout, c'est pas possible. Ah, ça y est, c'est trouvé là. C'est là-haut. Ah là, ils vont pas oser me suivre jusque là. Allez, le checkpoint. Ouh, il était temps, je ne le verrai jamais. Ouf. C'est immense ces niveaux. On sent bien la patte Sonic Mania quand même. Mais tant mieux, c'est pas un reproche, c'est une qualité. Ah, je vois l'arrivée, je vois la bouche d'entrée. Parfait. Salut Fleuretteco. Si c'est pas romantique ce petit pseudo. Bravo. Ah oui, mais merde. Ah, j'étais censé faire des choses. C'est bizarre, j'arrive pas à définir. Il y a quelque chose qui me plaît et quelque chose qui me plaît pas. Je soupçonne que ce qui ne me plaît pas relève du manga, en me connaissant. Et ce qui me plaît relève de Special 5. Je pense qu'il y a un peu un mélange des deux. Bon, allez, faut qu'on sorte de là pour voir un nouvel environnement quand même. Et peut-être qu'on pourrait. Ah, faut pas près que ça fasse un coup de vue, ne laissez pas les taureaux. Il faut que j'amène cette puce électronique à son collègue. Allons-y. Il faut pas que ça prenne l'électricité. Il faut pas que je laisse non plus les taureaux s'en charger. Donc. Il est où son collègue? C'est lui là. Vous avez cassé la puce. Mince. Est-ce que je peux retourner? Je me demandais où était son collègue. Allez, ça recommence les pingouins. Oh, ouais. Oh, mais laissez-moi. Me foutez-moi la paix. Je voulais rendre service à ce brave électricien. Ouais.
Voilà. Voilà. Et voilà. C'est tout. Écoutez-moi la fête. Ah mince. Ah bah ouais, non, il peut pas. Je peux pas m'en donner une autre. Ah, ça, je savais pas, quand on a raté une mission secondaire, il n'y a pas moyen de la refaire. Il va falloir faire tout le monde. Ça ne me dit pas où était son collègue. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air dangereux d'avoir des creepers dans Minecraft. Ils ont l'air de voir m'exploser à la tronche. Oh, je suis passé avec grâce. Ah, qu'est-ce que c'est? Un piment? Un piment motorisé. Yo-Yo peut manger ce piment pour rouler. Vous pouvez rouler sur les surfaces dangereuses comme l'océan, le sable ou la lave. Ah, c'est bien un petit piment. Alors là, non, avec les 10% d'électricité, on oublie. C'est vrai que c'est plus cher. Alors allons-y. Ah oui, effectivement. Ah, effectivement, je peux même rouler sur un truc dangereux. Sauf que une fois que c'est fini, c'est fini. Et mais voilà une bonne nouvelle maintenant. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux... Ah non. Je peux pas monter sur les murs. On va voir ce que je peux faire. C'est vrai que la musique donne envie de danser. Et oui, c'est vrai. Je pense que la musique est en grande partie responsable du fait que j'ai envie de jouer à ce jeu. Est-ce que là je peux monter tout droit? Hop, hop. Non, pas du tout. Alors maintenant, me voilà là. J'ai pensé. À part mourir, voilà. Mais alors où aller avec ce bousin? À gauche? Non, ok, ça marche pas. Ah, oh, ça marche pas du tout. À droite, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de passages, mais on va essayer. Là, j'ai pas assez d'élan, ça pourrait peut-être, mais... Allez, oh, j'étais presque. Allez, est-ce qu'il y aurait pas une petite astuce, genre... Genre un anneau, là. Alors là, je vois pas comment faire. Quelle heure pour le fiston? Fiston 18h. J'ai encore un petit peu de temps, même si j'ai d'autres trucs à faire avant de chercher, mais... C'est grave de faire passer, c'est gentil. Par où passer? Par où passer? Faut pas céder du piment, dit Mathiage. Alors pourquoi pas? Si j'y vais à pied, je peux pas y aller à pied. Obligé de prendre le piment pour aller jusque là. J'ai l'impression que la rampe de droite est plus facile, j'ai l'impression qu'il y a un truc en l'air là. Je pense que c'était ça, mais c'est bizarre que ce soit si dur. Je rate quelque chose, mais j'arrive pas à comprendre.
merde, j'y étais. Non. Tu penses qu'il faut y aller sans le piment? De la map. Salut grand billet. Il y a deux sphères qui évitent au début du niveau. Peut-on les utiliser? Ah. Ça c'est le checkpoint. Alors je suis d'accord que les deux sphères là-bas, bleues. L2, R2, passe. Il y a comme une vague, tu vois, au pied de la sphère. Il donne envie d'aller vers le haut, genre vers cette sphère, mais sauf que j'arrive pas à grimper. Et si je vais tout à gauche, parce que je vais pas tenter ça. Non, y a rien. Comment va ton petit cœur? Oh, salut Luc. Il tourne à 2,21 gigawatts de l'heure, donc il va bien. Le dot m'a implanté un truc qui fait que ça tient bien, donc c'est parfait. Allez, j'y retourne. Oh, putain, je suis vraiment à un millimètre du truc quand même. Qu'est-ce qui va pas? Patate ratinée, quel beau pseudo. C'est dommage de nous abandonner, mais c'est... je comprends tout à fait. Alors, voilà quel est le problème, c'est bizarre. Non. Oh. Ça y est, en fait j'ai sauté trop tôt. Vite un checkpoint, je vous en supplie, je veux plus jamais avoir à refaire ça. La dernière boîte est assez volumineuse, bonne chance. Faut qu'on détruise ces tonneaux et ces boîtes. Au travail, le stagiaire. Alors je les vois, les tonneaux et les boîtes. Je vais y aller. Voilà, là j'ai... Ah, ah c'est dommage. Oh, je vais me remettre en bas. Oh merde. Oh ah, ça aurait été sûr. Mais au moins j'ai compris maintenant. Faut que j'aille jusqu'au bout du... Le petit véhicule... Ah, le petit véhicule... Ah non. Le véhicule monte beaucoup plus haut que ce que je pensais. Voilà, il s'est pas déclenché, c'est dommage. Je laisse aller jusqu'en haut. J'avais tendance à sauter beaucoup trop tôt en fait. Oh, j'ai même pas besoin de sauter en fait. Ah, puis je l'ai même encore là-haut en fait. Si je me débrouille bien. Et là, je suis en train de mourir. Ok, bah maintenant j'ai trop. C'est exactement comme tout à l'heure avec les anneaux. C'est moi qui ai pas bien compris le truc. Du coup, c'est la misère alors qu'il n'y a pas besoin en fait. La tête, ça passe tout seul. Hop! Voilà! Tiens, il y en a même un deuxième ici! Alors,
Par contre, là, il y a un peu beaucoup de... beaucoup d'électricité à mon goût. Le speedrunner en action. Merci. Je peux pas grand chose, c'est vrai. Ah, le truc il monte vachement bien en fait. Je me sens suivi par une bande de pingouins. C'est désagréable. Oh, oh dommage. Mais au moins j'ai touché un autre checkpoint entre temps. Donc ça devrait aller. Ding ding ding. Oui, c'est sur PS5, Formazer. Ça se voit, non? Oh, je suis méchant, mais il est bien, il est mignon ce jeu, mais. Oui, c'est sûr, t'as pas une PS5 pour ça. Après, quand tu vois Astrobot, qui est vraiment une démo technique de la manette PlayStation 5, tu te dis, ah, bon, pourquoi pas? Eux, ils n'utilisent pas aussi bien le. Ils n'utilisent pas aussi bien la manette de la PlayStation. Mais c'est quand même agréable. Après, c'est très classique. Mais. Waouh! Waouh! Je m'attendais pas à ça. En même temps, sympa tous ces petits gameplays un peu variés là. Voilà, j'étais surpris de pouvoir monter si loin sur le mur. Électrocuter, engluer, empingouiner. Oh, oh dommage. Je suis mort sous les yeux d'un taureau. Ah, j'étais pas si mal que ça. Demain, Team Game One, tout à fait. Et du coup, je m'entraîne sur les level 1. Moi, mon stream, c'est le jeudi soir, normalement. Stream officiel. Et on fera Rise of the Ronin jeudi soir. Mais du coup, je prépare les level 1. J'en tourne 3 le matin. Et j'en tourne 1 l'après-midi en live. Donc, l'après-midi en live, ce sera ça. Penny's Big Break. J'y arriverai jamais. Big Breakaway. Et voilà, et les autres matins. Donc plutôt que de me sentir seul, je stream avec vous. Parce que par exemple, quand je me retrouve coincé avec ces conneries de piment, par exemple, bah, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui dit non mais va tout droit tout simplement, te prends pas la tête, ça va très bien marcher comme ça. Wow! Ça rebondit comme des trucs de flip là. C'est juste de la déco les sphères en fait. En tout cas, ils n'ont pas lésiné sur les niveaux. C'est vaste, il y a plein de trucs. Planqué dans tous les coins. Bonus d'artiste. Alors attention, là je suis prêt. Oh, droite, 3. Tout ça avec le stick de gauche, j'avais un doute. Et là mon bonus. Ça me terminait très bien. Allez, encore un niveau, j'espère que j'ai ouvert un nouveau... J'espère que j'ai ouvert un nouvel environnement. Oh. Toujours le même. Je pense que je vais montrer le 3-1, parce que c'était rigolo avec les taureaux et tout ça au début, là. Pour ceux qui n'auraient pas vu le coup des taureaux, regardez. On joue au golf avec des taureaux.
On les assomme, ça les transforme en balles de golf. Et après, hop, on pousse la canne de golf. Ce qui donne un super tourniquet de la mort. Hop. Là, ça sent l'envolée lyrique. Oh, c'est pas mal, j'aime bien. Avec mes petites pattes, c'est pas mignon. Je rate la moitié des trucs. Hein. Il faut autant de paires de bras que possible au stagiaire. Dommage, il n'en ait que deux. C'est déjà bien. Hop! C'est assez enlevé, je trouve, finalement. Ah, le retour du piment. Mais cette fois, je ne me ferai plus avoir. Là, c'est au milieu. Ouh là là, il y en a qui bougent. Oh, oh, dommage, j'étais au millimètre. J'étais un millimètre de la sécurité. Ah, il est dur avec moi, là. Parce qu'il m'a pris, j'ai craqué. J'ai craqué au dernier moment. C'est ballot, mais... C'est assez confus, je ne sais plus trop où j'en suis. Oh, j'ai vraiment craqué bêtement au dernier moment. Je sentais que mon truc n'avait plus beaucoup de... d'essence. Ah, là il y a un petit. Il y a un petit taureau à mettre. Oh mince! Ah, pas mal! Ah non, il est tombé. Ah, puis là je pourrais pas le récupérer. Je crois pas qu'on puisse. Attraper un objet. Alors qu'on devrait, vu qu'il fait yo-yo. C'est pas grave, apparemment il y a toujours deux façons de faire. Oh, j'ai réveillé ces pingouins. Non, ils m'ont pas vu. Oh. Parons-nous. Les pingouins ne savent pas voler, c'est bien connu. Faute d'inattention souvent. Ah bah du coup j'ai une occasion. Ah, ça veut dire de refaire le taureau mais non. Hop. Ni vu ni connu, les pingouins m'ont même pas flairé. Déclencher le pingouin. Allez. Voilà, ça y est. C'est bon. Voilà. Là, on va rentrer là. Eh ben c'est mignon, c'est coloré. Ah, un autre taureau. Un taureau golf. C'est un carville en fait cette histoire. Ouf. Oh, j'ai mal. Allez, on finit ce niveau. Ah mince, il me remet là, il est pas sympa. Je vais finir par y arriver avec ce taureau. Du coup, hop, hop, hop. C'est juste un raccourci en fait, je pense. Mais... Depuis le temps que je voulais le faire. Oh, je
vais réussir à le balancer du mauvais côté, bien sûr. Ah. Et voilà, j'ai pensé le truc. J'ai foutu n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. On va reprendre mon chemin habituel. Ce qui fait qu'on réveille les pingouins ou pas. Hop. Alors là, sans le taureau, je pense que ça ne passe pas. Je peux pas. Il prend le jus. Je ne peux pas. Oh quoi? Je me suis électrocuté. Je peux pas faire monter le truc si je n'envoie pas le taureau dans le trou. Je me comprends. Je sais que c'est confus. Bon, j'essaie même plus. Hop. Puisque ça passe, hein. On va pas se compliquer la vie. J'ai perdu. J'ai perdu mon taureau. J'ai perdu mon taureau. C'est ça. C'est ça. Tellement électrique. Que... Oh, oh. Mais c'est dur, en fait. Sympa, mais dur. On a encore minette. Alors, hop. Voilà, direct. Direct dehors comme ça. Ah, là j'ai pas réveillé les pingouins et je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai raté. Ce saut. Allez, tenez, bon, c'est la dernière ligne droite. T'as cru, j'ai cherché le fiston. Il allait tout seul du bon côté. C'est moi qui suis du mauvais. En même temps, si je l'attends là, il va bien venir mon. Voilà. Allez! Oh non! J'attends qu'il fasse un tour. Je suis capable de le sortir de la plateforme. Non mais. Voilà. J'y crois, j'y crois. Ah, je peux pas me placer sur le côté. J'arrive à le décoller du truc. Ah, ça y est. Ah mais oui, je suis bête. Puis je tourne comme ça. On va le décoller là. Non, non, c'est pas possible. C'est un taureau rotatif. Oh merde. Mais si je fais ça, là, je vais le décoller, là. Oh, il a disparu. Oh, j'espère qu'il a respawn. Ah, ouais. Oh non, mais il y en a marre. Bon, dernière tentative, hein, parce qu'après, j'y aille. Pénible ce taureau.
La discrétion du pingouin. Sur des roulettes. Ah, il va se couler là. Ah, on est quoi? Et puis merci pour les applaudissements. Je sais que c'est pas vous, mais. Ah. Alors, un truc qui me fait vraiment très plaisir là, c'est un checkpoint. J'avoue. C'est le taureau le plus difficile à mettre dans le coup. Les ronds rouges là, c'est des signaux d'alerte pour les pingouins. Si je me fais prendre dans un truc rouge, ça déclenche une avalanche de pingouins. Oh! Et voilà, ça y est. J'ai déclenché du pingouin. Et voilà. On va pas me lâcher. Et comme j'ai pas fait. Comme j'ai pas de checkpoints, faudrait pas que je meure là. J'aurais vraiment l'air bête. Et allez, je redéclenche, oh, c'était pas drôle. Allez. Oh, checkpoint. Oui. Ouf. Oh, je m'en fous de mes quantités maintenant que j'ai réussi ça. Ah, mon petit véhicule que j'aime bien. Que je vais pas être m'en gâcher. À la fin. Compliqué. Hop. Mais où est la sortie, bon sang? Bon, c'est lieu. Allez. Ah, une tyrolienne, ça sent la fin. Encore. Il y en a encore énormément, j'ai l'impression. Voilà, direct. Hop, hop, hop. Ah, ça y est, je vois l'arrivée. Je vois la bûche d'entrée. Ah, je vais finir avec un petit climat. C'est parfait. Vous les pingouins. Oh là là, j'arrive à deux piments. Et voilà. Et bonus d'artiste, je suis prêt. 3 ronds triangles. Pastoche. Bon. C'était bon. Ok, c'était vraiment artistique. GG pour la persévérance. Et GG pour la révérence, surtout. Finale. C'était bien. Merci les amis de m'avoir aidé à travailler aujourd'hui, ce matin et cet après-midi. C'était cool. Donc vous verrez le niveau 3-1, je pense, de Penny's Big Adventure. Et puis on va voir vraiment ce qui se passe. Ah, voilà mon cul. Magicien de la cour impériale. Ça sent le boss de Fanevo, mais je passe ça après. Je vous laisse, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain sur Game One. Pour Team Game One et dans la foulée pour Level One, bien sûr. Et ça va être cool. Voilà, il y a Kayane, il y a Anfan, je crois. Et donc on jouera Contra avec Anfan. J'enregistrerai. Avec Kayane, pardon, j'enregistrerai Ronin, Rise of the Ronin. Ce sera depuis dans le courant de la semaine. Et voilà. Et je joue avec Maya Mazoret. Vous l'avez déjà vu dans le petit, bien sûr. On va jouer à Mario Kart. Donc ça va être super. Donc vraiment du bon boulot. Et jeudi on fera Rise of the Ronin puisque l'embargo sera tombé normalement. Il faut que je vérifie. Il n'a pas fait à voir. Je veux pas faire de bêtises. Allez, je vous laisse les amis. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dès demain en vrai. Ciao, soyez sages.